C'est pas possible. Pedro m'a toujours aimé. Il m'a toujours aimé plus que tout au monde. Il a pris soin de moi. Il m'a tout donné, même si moi, honnêtement, j'ai été... C'est ça, Amelia. Honnêtement, toi, tu l'as toujours traité de la pire façon. Et donc, Pedro en a eu bien assez de ta douleur, de ton amertume. Mais quand même, ce n'est pas possible qu'il ait voulu me dire ça. Ce qu'on a vécu tous les deux a vraiment été très fort, très difficile. Mais on a tout partagé ensemble. Ça n'est pas vrai, ma chérie. Pedro a toujours été tout seul. Il a tout fait pour toi, pour Fernanda. Mais toi, tu ne l'as jamais aidé. Au contraire. Et tu ne lui laissais pas un seul moment de paix. Tu as raison. Tout ça, c'est vrai, mais... Mais je dois en parler avec lui. Je dois lui expliquer. Pedro a beaucoup souffert à cause de toi. Je le trouve très contrarié et très blessé. Il vaudrait mieux que tu le laisses en paix, au moins pour un moment. Je suis convaincue que s'il me voit, s'il m'écoute, s'il me permet de lui expliquer tout ce que je ressens maintenant, il changera d'avis, Blanca, j'en suis certaine. Je ne le crois pas. Après tant de douleurs, Pedro a atterri dans un hôpital psychiatrique. Oh, Blanca. Je dois tout faire pour essayer d'arranger ce que j'ai gâché. Je dois le voir, je dois faire tout mon possible pour qu'il m'écoute, pour qu'il me pardonne. Il vaudrait mieux que tu acceptes son choix. Je sais que c'est très douloureux, mais il ne veut vraiment plus rien avoir à faire avec toi. Voyons. Ah. Bah, ce vêtement, je suis pas trop mal. Hey. Regardez. Comment vous me trouvez? Ça fait bonne impression, pas vrai? Monsieur Pérez. Entrez. Vous avez vu, je suis... Regardez un peu ça, mais il est beau ce costume. Il vous va ravir. Ah, merci, docteur, merci. Et Fernanda m'a demandé si par chance vous pourriez l'accompagner à l'église. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe, docteur? Pourquoi ce grand sourire? Non, ne me dites pas que c'est ma tenue qui vous fait sourire. Non, mais comment ça? Ça vous va très bien. J'ai une surprise pour vous. Une surprise? Oui. Ben, racontez-moi. Non, je vous le dirai à l'église. Non, docteur, dites-le-moi maintenant. Pedro. Vous voulez être en retard? Non. Allons-y alors. Allez. Bon, une surprise. J'espère qu'elle sera bonne. Eh bien, est-ce que tu es plus tranquille? Oui, ma fille, merci. Mais cette petite folle m'a fait sortir de mes gonds. Je ne la veux plus près de moi. C'est pourtant bien toi qui as pris la décision de l'engager. Sérieusement? Bien, je ne comprends pas. Eh bien, franchement, moi non plus, parce que... Elle ne m'a jamais plu. Elle ne m'a jamais inspiré confiance. Mais bon, c'est toi qui l'as décidé. Enfin, je crois que le mieux, c'est qu'elle s'en aille. Tu me donnes l'ordre et je la congédie. La virer vraiment pour toujours? Oui, bien sûr. On la vire de cette maison et elle ne reviendra plus jamais. Oh, mais c'est quoi ces cheveux? Attends. Non. Attends, ça c'est vraiment trop marqué. Moi, un peu de gloss et c'est tout. Eh ben moi, je veux du rouge à lèvres, bien rouge, pour avoir des lèvres provocatrices et sexy. Ah bon? Toi, t'es provocatrice maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ben c'est juste que là, je trouve que t'en fais un petit peu trop. J'en fais pas trop, je suis ouverte à toute possibilité. Viens ici. En réalité, je suis super contente. Moi aussi, Fernanda. Je suis super heureuse qu'on soit de nouveau amies. Oui, moi aussi. Merci de m'avoir pardonné.
Non, mais on est fait pour ça, non? Les bonnes amies sont là, dans les bons et dans les mauvais moments, pour le meilleur et pour le pire. Et on n'est pas seulement bonnes amies, mais les meilleures amies. Sans rancune? Viens ici. Je t'aime, moi aussi. C'est quoi ça? On va devoir porter ces déguisements? Ce ne sont pas des déguisements, ce sont des costumes, Paquito. Au quartier aussi, on faisait des fêtes costumées. Ah oui? Ouais, mais avec un seul costume à se partager, parce qu'il n'y en avait pas assez. Arrête de faire le clown et dépêche-toi, parce qu'on doit aller à un mariage et on ne peut pas arriver en retard. Allez. Non! Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux le faire tout seul. D'accord, change-toi seul, allez. Tu as vu mon frère? Maintenant on dirait bien qu'on est père et fils pour de vrai. Bien sûr qu'on sera père et fils pour de vrai. Qu'est-ce que tu crois? Dis-moi, Carlos. Quoi? Fernanda va venir? Je te demande de pas m'en parler, s'il te plaît. Oh mince, être fils de parents divorcés, c'est vraiment difficile. Viens, attends. C'est bon, ça y est, on y va. Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, mes deux hommes. Viens par ici, mon amour. Tu sais à quoi tu ressembles, à la cerise sur le gâteau. Pourquoi est-ce que tu te grattes, chérie? C'est le costume qu'il gratte, maman, et je lui ai dit de faire un effort. Mais il faut vraiment que j'enlève, j'ai l'impression que ce vêtement a des puces. Ah non, mon amour, ce vêtement est tout neuf. Ah, bah c'est pour ça. J'ai jamais eu de vêtement neuf, et encore moins de bonne qualité. Ah, mon amour. Mais s'il te plaît, laisse-moi l'enlever. En aucun cas, Paquito. Dans un moment, tu vas tellement t'amuser au mariage que tu vas oublier les démangeaisons. C'est ça. Spécialement parce qu'il va y avoir des filles très jolies, tu vois un peu. Et le gâteau, mon amour. Un gâteau délicieux. Bien sûr. Bah, dans bien ce cas, je crois que oui, je peux supporter ces vêtements. Super. Eh bien, dans ce cas, on attend seulement Clarita, la mariée, et on y va. Mais comme tu es belle, Clarita. Oh, regarde. Waouh. Clarita, mais qu'est-ce que tu es belle. César a gagné le gros lot, quelle chance ce mec! Paquito, c'est quoi ces manières de t'exprimer? Pardon, mais c'est la vérité! Oh, ça c'est bien les hommes! Clarita, je suis vraiment désolé. La réalité, c'est qu'on est tous très émus aujourd'hui et très nerveux. Mais je te le dis de tout mon cœur. Ce sera pour moi un honneur de porter à l'hôtel la fille qu'on aime le plus à la maison. Merci beaucoup. Allez, pas de larmes, hein, Clarita, parce que ça va faire couler ton maquillage. Bon, allons-y. Les émotions ne font que commencer. Et toi? Tu sais quoi? Tu vas m'accompagner. Viens, super. Je suis jaloux, hein. Allons-y, ma belle. Allons-y. Ah, Fernanda, je ne peux pas cacher mes émotions. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de mariage. César m'a même demandé de lui chanter l'Ave Maria. Elle est comme ça depuis ce matin, quand César est passé pour nous rappeler de ne pas oublier de venir. Ah, nous aussi, on est vraiment très émus, n'est-ce pas? Extrêmement émus. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous ayez fait la paix. Je me disais bien aussi qu'une amitié aussi belle que la vôtre ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Je sais, c'est vrai. Au fait, vous savez comment va mon père? Ah, le docteur Xavier a appelé. Il nous attend déjà dans l'église. Ah bon, on y va. Allez! Dépêchez-vous, mes chéris, parce qu'on va arriver juste à temps à l'église. Pardon, maman, mais je ne crois pas. Pourquoi? Maintenant, tu vas me dire que tu n'es pas à l'heure? Non, c'est pas ça, Paquito. Mais j'ai déjà assisté à 1000 mariages et je te jure que le marié n'arrive jamais, jamais à l'heure. Jamais. Salut, salut! Qu'est-ce qui se passe ici? César, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne sais pas que tu ne peux pas voir la mariée avant que vous soyez à l'hôtel. Ah, ben quoi alors? Je voulais juste qu'elle voie le nouveau look de son chérubin. Regardez. Et en plus, je la verrai tout le temps une fois qu'elle aura dit oui au prêtre. Ah non, non, César. Ça porte malheur de voir la mariée avant. Donc il vaudrait mieux que tu fermes les yeux et que tu ailles à l'église. Ben oui, mais je ne voulais pas y aller seule parce que ma mère ne viendra pas et je suis malheureux. Non, 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 ne t'inquiète pas, César. Écoute, nous les mamans, on peut dire beaucoup de choses. Mais moi, je suis sûre que Loupé ne te laissera pas seule un jour si important. Donc allez, vas-y et ne regarde pas la mariée. Bien sûr, madame, d'accord, si vous me le permettez. Allons-y. Je m'en vais. Paquito, 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 attrape-le, Paquito. C'est bon. Attention. C'est bon. Amène-le à la voiture. Comme je le dis toujours, c'est impossible de comprendre les adultes. Amène-le à la voiture et qu'il n'ouvre pas les yeux, d'accord? Avancez. Voyons voir si on ne perd pas le marié encore une fois. Ah, César, qu'est-ce que tu es distrait?
Tu devrais déjà être à l'église. Allez, monte dans la voiture pour que Clarita s'en aille avec lui. Bon, d'accord. Allez, en route. Quel beau bouquet. Non, les yeux. Paquito, amène-le, mon amour. Amène-le, Paquito. Prends-le, comme il est beau. Merci, merci, papa. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse que tu te rendes compte que tout ce que je le fais pour ton bien et que tu ne me contredises pas, même avec le personnel de maison. Ça facilite vraiment mon travail. Je ne veux pas être un boulet. Tu ne l'es pas, et encore moins si tu agis comme ça. Tu vois, papa, cette fille n'était pas, ni ne sera jamais formée pour prendre soin de toi. Tu es ce qu'il y a de plus important pour moi, et j'avais vraiment peur que pour ton caprice... cette fille commette une erreur que tu finirais par regretter. Oui. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas être un boulet, ni pour toi, ni pour Blanca. Et elle a déjà beaucoup à faire avec la maison. Mais non, tu ne dois pas t'inquiéter. Si c'est ta volonté, dès aujourd'hui, je vais te trouver la meilleure infirmière au monde. Bien sûr. Après avoir congédié Fernanda Pérez. Il faut que tu m'aides. Tu dois parler avec lui. S'il te plaît, persuade-le de te permettre de me dire où il est. S'il te plaît, Blanca. Écoute, Pedro doit entendre tout ce que mon cœur me dicte maintenant. Et il doit l'entendre de ma propre bouche. Mais moi, j'ai promis à Pedro de ne rien te dire. Ne m'oblige pas à trahir sa confiance. Il ne pourra pas supporter une déception de plus. Enfin, moi, je ne veux pas la lui donner. Et je ne la lui donnerai pas. Attends, Blanca. Blanca. Je t'en conjure, s'il te plaît. Ne me fais pas plus souffrir. Sainte Marie, aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. J'ai ma Clarita et elle sera bientôt ma femme. Mais tu sais qu'il me manque une chose. Une de mes femmes, mon grand complément. Ma Sainte Mère. Maman. Tu es venue, maman. Bien sûr que oui. Comment est-ce que j'allais te laisser seule un jour aussi important que celui-ci, hein? Bon, il ne me manquait que ta bénédiction, maman, pour pouvoir enfin me marier. Que Dieu te protège aujourd'hui et toujours, mon amour. Maman. Alors, il n'y a pas le moindre doute. Le testament original, tu l'as perdu. Non, je ne l'ai pas perdu, Mariana. On me l'a volé dans mon bureau, ce n'est pas du tout la même chose. Ils sont entrés, alors que tout était emballé. Ils ont cherché les cartons où se trouvaient mes dossiers, mes documents confidentiels, et ils les ont emportés. Et tu es sûr que c'est Ordóñez? Ça ne peut être que lui. En plus, je l'ai vu dans les caméras de sécurité. Je suis allé le voir, je l'ai menacé, mais je n'ai pas pu lui reprendre ce document. Cet imbécile et moi, on a des problèmes depuis de nombreuses années. Eh bien, t'as intérêt à lui reprendre le testament. On ne peut pas se permettre qu'il se retrouve entre les mains de n'importe qui. On ne peut vraiment pas se mettre en danger, même si lui ne sait rien de l'héritage de mon père. Oui. Et le pire, c'est que les choses se compliquent chaque fois plus. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand Carlos est allé voir mon père, il a pris les pastilles que je lui donnais et... et maintenant, il va découvrir qu'elles n'ont rien à voir avec celles qu'Artega a réellement prescrites. Aide-moi. Je t'en prie, aide-moi à faire disparaître cette boîte de pilules. Non, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, au moins, tu ne cours aucun risque. Hein? Pourquoi en es-tu si sûr? Parce qu'aujourd'hui, Carlos va être occupé avec le mariage de la domestique de la maison. Hein? Blanca! Mais pourquoi avez-vous crié comme ça, Monsieur Fernando? Je suis vieille, mais je ne suis pas sourde. À moi, personne ne me dit si je peux crier ou non sous mon propre toit. Et en plus, c'est mon ton de voix normal. Mon Dieu, encore une fois, le côté allemand revient. De quel allemand parles-tu? Non, ben, quel allemand? Je n'en connais aucun. Je ne comprends pas ce qu'il se passe avec les domestiques de cette maison. Mais d'abord, la petite qu'ils ont prise pour prendre soin de moi, ça ne tourne pas rond. Elle l'a sûrement hérité de son père. Ah, monsieur Fernando, pourquoi parlez-vous ainsi de Fernanda? Parce que c'est une folle. Imagine qu'elle est venue pour me raconter que je lui avais parlé d'une fille et d'une petite fille que je veux retrouver.
J'aurais aimé que tu la voies. Mais où est-ce qu'elle a pu aller chercher de telles bêtises? Bon, mais enfin, peut-être que ce qui se c'est qu'elle... Ce qui se passe, c'est qu'elle a hérité de la folie de son père. Parce que moi, je n'ai pas d'autre fille que Mariana, qui malheureusement n'a pas pu non plus me donner de petit-fils. La prochaine fois que cette petite vient, tu lui annonceras qu'elle ne travaille plus ici. Monsieur Fernando, comment voulez-vous que je lui dise ça? Regarde, j'ai parlé avec Mariana et elle va m'aider. Elle va la congédier. Et je n'aurai plus à la voir. Mais comment? Comment peut-elle faire ça? C'est le mieux, Blanca. Moi, tous ces fous, je n'en ai rien à faire. Écoute, je vais au jardin. Bon, vaut mieux que j'accompagne. Et toi, on ne t'a pas invité à ce mariage? Moi, je ne suis pas l'ami de la domestique, Mariana. Je suis l'homme de la maison. Été. Je vis toujours là-bas. Et très bientôt, je serai l'unique propriétaire. Ah, écoute, je pensais qu'on pourrait aller chez toi, profitant qu'ils vont tous être à l'église, non? Et pour quelle raison est-ce qu'on irait chez moi? On pourrait avoir le temps de fouiller de fond en comble la chambre de Carlos et de prendre la boîte de pilules. Qui conduit la mariée? Moi, mon père. Carlos Gomez. Lupe. César. Je te remets cette merveilleuse femme pour que tu prennes soin d'elle. Pour que tu l'aimes et que vous vous respectiez toute la vie. Mais tu en prends soin, d'accord? Oui. Mes frères, nous sommes ici réunis pour célébrer le mariage ecclésiastique de César et Clarita, qui ont choisi de venir ici unir leur vie devant Dieu. Vraiment, je ne sais pas comment j'ai pu me laisser embrigader dans cette folie. C'est bon, Luis, arrête de répéter la même chose. Dis-moi plutôt où est la chambre de Carlos, je vais chercher les pilules. Non, attends. Je t'y emmène. On ne peut laisser aucune trace de notre présence. Bon, c'est bon. Si tu es aussi nerveux, amène-moi et dis-moi où elles sont. Allez, oui. Ah. Bonjour, messieurs, dames. Je suis Amado, à votre service. Est-ce que vous pouvez me donner vos invitations pour que je puisse vous placer à la table correspondante? ¿Alguna vez yo te pueda
En fait, nous ne sommes pas invités. Pardon ? Oui, je veux dire, oui, nous le sommes, mais nous n'avons pas eu le temps de recevoir nos invitations, nous sommes de province. Alors le mariage à l'église est déjà terminé. Si je comprends bien, les invités sont tous en route ? Selon la mission qui est la mienne dans l'église catholique, je vous déclare unis dans le mariage légitime devant Dieu. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Félicitations ! Bravo ! Félicitations ! Félicitations, mon fils. Merci. Toutes mes félicitations. Félicitations, Maria. Félicitations, Clarita. Félicitations, César. Merci beaucoup. C'est génial. Merci. Bravo. Félicitations. Oh oui. Félicitations, César. Toutes mes félicitations, Clarita. Merci, mon fils. Félicitations. Ils sont beaux, les mariés. Je vous souhaite. Ça va ? Qu'est-ce qu'on mange ? Oui, merci. On peut féliciter la témoin ? Cette maudite Mariana. Moi, je ne savais pas que Marissa avait organisé une fête pour la domestique. Si elle me trouve ici, je peux perdre beaucoup. Pourquoi est-ce que Mariana ne le comprend pas ?